Salut les pilotes, on se retrouve sur Gran Turismo 7 pour poursuivre nos expériences du circuit et cette fois-ci on va retourner à Kyoto, hein, si vous vous souvenez bien, parce qu'il y avait plusieurs versions de Kyoto. Donc la dernière fois on s'était laissé après l'expérience du circuit à Kyoto Yamagiwa, qui est pour moi la partie la plus intéressante du circuit, très franchement, mais aussi on a la version Miyabi, qui est pour moi la partie... Bon, j'ai pas envie de dire la moins intéressante, mais ouais, quand même. Hein. C'est giga court, on a quoi, 6 virages à tout péter. Ouais, que je compte un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'avais vu juste. On a à peu près 6 virages. Peut-être 7. Si on chipote un peu, bon, voilà. Donc, ça va rapporter beaucoup moins, ça, forcément. Circuit ultra court et ultra simple aussi. On va être au volant d'une Audi TT Touring Car. Donc en groupe 4. Allez, c'est parti. Voyons voir de quel bois se chauffent les expériences du circuit sur, sur Kyoto Miyabi. Allez, c'est parti. Secteur 1, on y va. J'ai resserré beaucoup trop tôt. Ça va être drôle la sortie là. Voilà, problème réglé. Comme ça on recommence et puis c'est bon. Voilà. Bon, or, pas du premier coup, mais du deuxième. Bon, ok. On va pouvoir passer à la suite. Bon, premier secteur négocié presque sans un écroche. Hein, j'ai un petit peu fait n'importe quoi à la sortie de la dernière courbe du secteur 1. Bon, pas grave en vrai. J'ai repris, j'ai refait. C'est bon, on est ok. On va passer au deuxième et déjà dernier secteur. Est-ce que je vous avais prévenu que cette vidéo allait être courte? Non, parce que ça va être court, ça va être très court les gars. À moins que je recommence 25 fois ce deuxième secteur, normalement ça devrait aller très vite. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai raté mon point de corde là quand même. Il y a des voitures, oui, si ça passe à fond, mais je pense pas que celle-là aurait pu le faire. Bon, il y a des choses à améliorer. 18, 9, ok. On va la refaire. Bon, j'avais freiné beaucoup trop tard au premier virage, là. On va essayer d'améliorer ça. Mais, bon, là, c'est mes rapports que j'ai ratés. On améliore quand même de 2 dixièmes. Mais c'est pas encore ça, il y a encore un peu de boulot. Bon, est-ce que ça va suffire? Je pense que oui. Voilà, tranquille. 3 essais. On est bon. Bon, eh bien, il est plus que jamais temps de passer à l'attaque sur un tour. Ça devrait prendre un truc genre une minute, si je fais pas n'importe quoi. On va voir. Alors, attaque sur un tour. C'est censé prendre 41 secondes 500. Ok. Bon, allez. Allons-y. Thank you.
Ah, je refais n'importe quoi. Comme lors de mon premier passage, j'ai un problème avec ce passage-là. La boîte est un peu lente, je trouve aussi. C'est plus large. Bon, ça devrait le faire. Voilà. Or, à mon deuxième passage. Ouais, allez. C'est bon, on va pas s'éterniser ici. Voilà, ça c'est fait. À la suite. Bon, eh bien voilà. On en a fini avec cette expérience du circuit à Kyoto Miyabi. Vite fait, bien fait, comme diraient certains. Bon, bah, on va récupérer nos récompenses. Je sais pas si ça s'est senti, mais je suis pas très fan des micro-circuits comme ça. Un circuit court passe encore, hein, comme Tsukuba ou bien Red Bull Ring. C'est des circuits qui sont courts, mais pas exagérément courts. Là, c'est trop court. Là, c'est... Je sais pas, c'est un truc à prendre avec une carte, quoi. Je vois pas autre chose, quoi. Bon, allez. Allons récupérer nos récompenses, qui sont pas énormes, hein, évidemment. Hein. C'est pas mirobolant. Vu la courtesse du circuit, 60 000, 300 000, bon 300 000 quand même, c'est toujours bien 300 000, mais c'est pas officiel les gars. Par rapport au million 2 carrément qu'on a sur les autres pistes, ça fait cheap. Bon, bref, on va se laisser là-dessus. Je vais vous rappeler que j'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao !